J'avais quitté mon corps. Je flottais en l'air. Je suis mort ou quoi? Les gars! Vous êtes où, bordel? Y'a quelqu'un? Merde! Faut pas rester là! Faut trouver les pièces et mettre le plan à exécution. Y'a des espèces de trous bizarres dans les murs. Il y en a partout. Merde, je rêve ou quoi? Il y a un flingue qui vient de sortir de ce dessin. Avec ça, on va pouvoir faire un vrai carnage. J'avais quitté mon corps. Je flottais en l'air. Je suis mort ou quoi? Les gars! Vous êtes où, bordel? Y'a quelqu'un? Merde. Faut pas rester là. Faut trouver les pièces et mettre le plan à exécution. Y'a des espèces de trous bizarres dans le mur. J'ai pas été assez clair. Merde, je rêve ou quoi? Il y a un flingue qui vient de sortir de ce dessin. Dégagez de mon chemin! Ça nous a fait le plein, les gars! Les poissons sont doublés! Les gars ont bien bossé, Don Juan. C'était pile à l'endroit prévu. Le courant est coupé. Je te laisserai pas me bouffer, que ce soit clair. Il aboie, ce clébard. Qu'est-ce qu'il fout? Il essaie de nous dire quelque chose?
passe de vue beaucoup trop près. Eh oh! Tu sais que tu viens de te faire dessouder? C'était aussi bon que le feu d'artifice du 14 juillet. Ça va paraître dingue, mais je crois qu'on peut utiliser ces interrupteurs pour quitter nos corps. J'ai trouvé les valves de contrôle. Vous voulez vous battre? Amenez-vous! Je vais vous apprendre! Ton engin a intérêt à décoller, la fouine. Hein? On dirait que le clébard s'est tiré! On est libre, les gars! Accrochez-vous! On fonce droit sur une tempête! Tout ça pour rien. J'en ai ras-le-cul, vous m'entendez? Ras-le-cul! Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais moi, j'ai fini de jouer. Soit vous me réveillez, soit vous me butez tout de suite. Vous m'entendez? J'en peux plus! Qu'est-ce que je vous ai fait? Lâche-nous la grappe, espèce de pourriture géante! Mon respect! Amenez-vous! Bon, c'est parti! C'est bien parti! J'ai trouvé un autre jerrycan! Des poissons de blé! Deux fois plus de poids? C'est pas un jeu, merde! Go!
T'en avais jamais assez, hein? C'est parti! Tiens, Jerrican! Tiens, Jerrican! Il s'est passé un truc? Je crois que c'est ce qu'on cherche. C'est bien parti! J'ai trouvé un autre jerrican! Ton engin a intérêt à décoller, la fouine. On est libre, les gars! Accrochez-vous! On fonce droit sur une tempête! C'est un genre de punition, hein, c'est ça. L'univers qui me fait payer toutes les crasses que j'ai faites. Ça marche pas avec moi. Vous entendez? Vous perdez votre temps. Je regrette que dalle. Si je devais recommencer, je ferais la même chose. Je changerais rien. Rien du tout. Alors, vous voulez savoir ce que je pense? Vous pouvez aller vous faire foutre! Merde, c'est carrément dingue. Mais je vais pas me plaindre. Je te le jure, c'est un boomerang. C'est quoi, ça? J'ai un jerrican! C'est bien parti! J'ai trouvé un autre jerrican! Tiens, jerrican! On va en avoir besoin. C'est parti! Les gars, j'ai trouvé quelque chose! Quelque chose derrière l'affiche.
J'ai un jerrycan. Tu vas le payer, 872B. C'est ton tour. Ton engin a intérêt à décoller, la fouine. Accrochez-vous, on fonce droit sur une tempête. Il y a des monstres sur le pont aussi. J'ai passé un truc. Oh. Alcatraz a connu son lot de tentatives d'évasion, certaines plus audacieuses que les autres. Mais la palme revient sans doute à celle qui a été mise en exécution par 4 détenus le 31 décembre 1933. Ce plan délirant qui aurait été conçu par un prisonnier du nom d'Albert Arlington était aussi invraisemblable que son instigateur. Arlington, alias Lafouine, aurait convaincu 3 autres détenus qu'il avait échafaudé un plan infaillible pour s'échapper de l'île. Ce plan consistait à s'envoler littéralement à bord d'un avion de fortune conçu par Arlington lui-même. On ignore toujours comment ces criminels endurcis se sont laissés embarquer dans une telle combine. C'est le plus grand mystère de cette histoire. Ce qu'on sait en revanche, c'est que l'avion n'a jamais été construit. Le projet a rapidement été compromis par des disputes au sein du groupe. Les espoirs d'évasion anéantis ont alors fait place à des tensions
qui ont provoqué une violente altercation entre Harrington et ses complices. Doté d'armes de fortune, Finn, O'Leary, Sal, Deluca et Billy ont attiré Harrington sur le toit sous un prétexte innocent. Ils comptaient assouvir leur vengeance dans le sang. J'espère que le résultat n'est pas proportionnel. Et donc ici, sous le ciel sombre et tourmenté de ce jour d'hiver, que le malheureux Harrington a trouvé la mort en se vidant de son sang sur le béton froid. Pour leur rôle dans le meurtre, les trois criminels ont été condamnés à la chaise électrique. Justice a été rendue rapidement. Le 19 janvier 1934 au matin, la peine capitale a été exécutée. Merde ! Je garde la dernière pour moi ?